quelques natures dans la région, dans une entreprise, puisque je vais faire un peu de participer pour retourner les parcs, parce que je vais faire des vidéos, on va faire ça dans le historique réservée à, entre guillemets, réservée aux véhicules, aux voitures. Un petit aperçu de ça dans l'après-guerre avec, par exemple, cette Renault Dauphine. Qui était aux mains du régional Albert Cognier. Il remporta donc deux fois cette course de course. Ensuite, il a accueilli bien sûr tous les ténors du championnat de la spécialité des monoplaces. Jusqu'aux Formule 2 et Formule 3000 que nous connaissons encore aujourd'hui dans les courses de tour. On peut se faire plaisir aussi à moindre coût. Une Renault 10, c'est suffisant pour se faire plaisir et se ranger aux techniques du programme. On est ici donc aux abords de ce. Et puis on débouchait ensuite sur une partie beaucoup plus rapide. Et le casse-tête était un peu de trouver, en ce qui concerne les prototypes et les monoplaces, de trouver bien sûr des bons rapports de voie pour être aussi efficace dans la partie lente en roulant des épingles que d'être très rapide sur la partie fitée toutes ces dernières années. Alors que c'est une petite île Camille qui passe donc maintenant ce grand pôle, c'est une petite cinquantième anniversaire. C'est une voiture qui fut lancée en 1960 avec toute la lignée des Sim Camille Rally qui ont enchanté les amateurs de sport auto. Le Martin des Marzins, pilote de cette modeste Vespa 400 qui n'a pas hésité à venir affronter le remarquer quand même une très belle trajectoire de notre ami Roland Hubert. Donc il n'est pas tant que maintenant, on peut quand même n'a pas hésité à venir frotter chrono. Là il va être pourchassé par cette Marcagnier. Évidemment. Assez soutenu, assez rapide. Avec la berlinette, bien sûr, c'est un classique des classiques. Une bonne vieille 1300, exactement dans le film.
qui rappelle le souvenir. Ça nous change un peu. 1600, pour look un petit peu plus élaboré que 1600. C'était d'ailleurs un petit peu tourné bien plus tard sur le potentiel de l'Arno 5. On se rappelle que Jean Ragnotti avait notamment parlé de Calverson, R8G à l'attaque à la sortie du droite qui nous précède. Respecter pour rester correctement sur la route. R8G toujours sur cette numéro 19. On en parlait ce matin, notamment à l'occasion de la fameuse Coupe Gordini sur circuit, qui a vu débuter de très nombreux pilotes de circuit. Les météos étaient parfois très chaudes, parfois très capricieuses. La 12 Gordini. D'essais de course, il avait fallu se rendre à l'évidence. Il était impossible de en parler. Camille toujours. Il est au bout de quelques saisons. Il pilotait une des rallyes les plus élaborées de notre région. C'est le camion rallye 1 orange dans sa livrée strictement dans les pays. On peut du traitement sportif, il en reste peu dans la configuration. Très belle mini de Richard Lombardo. On sent que depuis ce matin, les pompes ont toujours le cas ce matin, où tout le monde découvrait un petit peu ce parcours. Reste à la midi de la famille de Labre. Là aussi un panel de l'histoire du rallye automobile, le Steve Mini, le Steve Cooper. Les fameux Finlandais volants commençaient à découvrir ces gens qui avaient une approche totalement différente des Européens en ce qui concernait la conduite sur neige. Ça faisait partie de leur gène, de leur nature. Ils ont appris à beaucoup de gens. Deux coupeurs passant roulent en haut. Pas les grosses puissances n'importe où, donc il faut relancer un petit peu plus contemporaine cette course. Très développé pour manquer la compétition. Comme la cadette GTE par exemple, ou une cadette Rally. Toyota, c'est un autre à... connu du Stéphanois. Et a confié un pilote régional. Pas d'oubli de ce qui se faisait dans les années 50. Golf GTI aussi indissoluble, indissociable. Je vous sors d'un coup. Un peu miné là-bas. Belle trajectoire, mais il n'en aurait pas fallu beaucoup plus. La trajectoire.
Golf GTI en Europe. Gardini nous a... Golf toujours. Quelques pilotes de contre-côte y étaient et a largement contribué au succès sportif de la Fiat Italie. Vraiment très à l'aise, il est déçu par contre, ça c'était une petite cylindrée très efficace. Il est déçu TT, très bel exemplaire, aux couleurs. Des grandes, c'est un peu les coupés GTV qui ont fait la réputation de la marque. C'est quasiment inatteignable en catégorie touriste. Autour de France, ce sont des autos qui font le bonheur des amateurs de voitures historiques. Ah, un petit problème d'échappement semble-t-il pour la France. Appel cadette qui nous arrive. Appel cadette GTE. On va aussi les parties d'avantages qui sont utilisées sur cette voiture en région. Le numéro 1 est à l'instant. Lotus, bien sûr, Lotus Elan, très belle auto. Le talent de leur concepteur, Tony Chapman, qui fut un des grands sorciers britanniques des voitures peu battues. Ce qui n'était pas le cas de Porsche, bien sûr, là c'était la grosse industrie qui, le jour où elle a décidé de ça a été très vite parti. Ah, 5 minutes. L'ancien, c'est un passé un peu plus révolu malheureusement. Là aussi, ce sont des voitures qui ont largement brillé en compétition. L'ancien Fulvia, qui résonne encore de l'écho des noms de son propriétaire. Il ne reviendra pas en France. Deux modèles de Fulvia qui passent sur le mouvement de la route de l'Italie. Amateurs qui contribuent à la protection. Voilà, on arrive en TR5 ou plus. Voici la TR4, donc qui développait grosso modo une centaine de chevaux. Avec la TR5, on frôlait les 150 chevaux, donc évidemment, on va faire. Globalement un petit peu plus fragile. Et puis puisqu'on parle triomphe, difficile de ne pas parler des triomphes TR2 et TR3. Voici celle de Marc Vix. Très bel exemplaire. Donc, de recherche posté tout en équipé de phare, un phare longue portée justement. Et puis triomphe a mis ça sur ses voitures, a été le premier. Et petit à petit, toutes les marques anglaises notamment et les autres marques. MGA, lequel elle s'amusait un petit peu à éblouir les gens qui venaient en face, c'était pour amuser sa copilote, c'était un quelqu'un très professionnel. Lui, dans ce qu'il voulait,
EMG, LG1, MG7, et là on a eu avec ces trois marques, puisque le marché américain était en jeu à cette époque-là. Voici une Austin LA 3 litres, qui fut le modèle le plus élaboré de c'est parce qu'il y en a un qui va être en marché commercial des cabriolets sportifs de l'époque, le plus important qu'en Europe, à une époque où ces firmes sortaient tout droit des années de guerre et devaient redévelopper une gamme. Chapitre des voitures un petit peu particulières de la réplique de la part de l'industrie qui avait été en France, notamment dans un trophée réservé aux pilotes amateurs, il débutait Martin-Henri Tescarolo. En Talbot de Georges Bell, on parlait de l'originalité de cette voiture qui vient tout droit du départ de recompétition de Talbot à l'époque, dans lequel la science se débattait dans des gros problèmes, des gros soucis. Cette voiture avait été une des dernières construites par les partenaires. C'est un petit peu plus contemporain avec les BMW. Préférés qui nous reviennent, hésitantes, suivant la fédération, retour aux penches, avec un panel d'abord plus rien à voir avec une carrière à Quintes d'aujourd'hui. Sur les épreuves locales. C'est le cas également de cette Renault 5 Turbo qui rappelle bien sûr et là, on parlait contemporain, là on est en plein dedans dans l'ultra contemporain avec la Clio V6.6. C'est toujours une philosophie de la course. Là aussi, les GT d'aujourd'hui, les Lotus. Des voitures redoutablement efficaces. Moi, j'en ai une comme ça. Pour... Mais noir, c'est trop moche, ça se voit pas. Regarde ça. Des Porsche un petit peu plus récentes, Porsche Carrera 2013. Reste bien évidemment dans la gamme Porsche, le fameux 6 cylindres qui fit la réputation de la marque. Une voiture de perdition reste un projectile particulièrement dangereux. Donc, si vous voulez bien maintenir le maximum. Retour toujours chez Porsche. Ici, vous pouvez dissocier l'histoire de Porsche en arrière. Je me souviens des bagarres qu'il y avait, notamment au Monte Carlo. Ça remonte pratiquement mondial en circuit. Parce qu'il y a un 4F qui était quelques anciens du sport auto dans le public. La maison Martyr qui nous arrive, qui vient nous dire un petit bonjour. Les anciens du sport auto. Il y a du sport auto qui reste attaché à ces années un petit peu folles de la course, qui ne connaissait pas encore le pénalisme sérieux que l'on y rencontre aujourd'hui.
c'est encore un peu plus amateur, au sens noble du terme. Non, c'est vrai que c'est nos épreuves. Question de compétition au sens pur. Il a enroulé son drapeau. Dans le cheminée de haut en bas, n'hésitez pas donc à circuler le long de ces barrières qui se trouveront sur des zones un petit peu différentes du parcours, que ce soit sur la partie la plus rapide, la plus sélective du haut, bien qu'on utilise pas aujourd'hui le final du parcours de l'ancienne course de côte qui était particulièrement rapide, mais sur cette zone où nous nous trouvons, notre pingle agrémentait le début du parcours, pendant que nous arrive Bernard Collomb. Sur le Tableau Lotus. Il y a eu en charge le lourd de succession de la fameuse dernière qui a été très difficile lorsque la 310 est sortie. La 310 toujours. Alors les Stratos tout à l'heure, aussi un exemplaire un petit peu différent, il s'agit en fait l'ancien toujours de l'aile servant de série. Une marque combien célèbre des voitures qui étaient faites, construites pour gagner. Parce que tu es malheureusement dans de grands accidents. Ancien toujours, le Beta Berlin. W320. Bien sûr, dans la commune, on a tout à l'heure des modèles particulièrement élaborés, notamment en course de côte en groupe 2. On verra eu tout à l'heure dans les modèles Dauphine Proto. On évoquait tout à l'heure le portier parisien Georges Quéron, qui est l'un des premiers à développer la Dauphine Proto sur des bases élémentaires. Aussi grand tourisme plus que compétition avec une Ferrari mondiale. Comment dissocier là aussi le nom de Ferrari de l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui c'est un petit peu différent encore qu'on recommence à voir des Ferrari en course, notamment en circuit. Comment dissocier la Ferrari de l'histoire du sport. C'est construire un palmarès inégalable. Formule 1 bien sûr. C'est avant tout hyper dur. Aujourd'hui on voit que Ferrari est un peu de pierre, un peu plus sourd en prenant des sous-bois. Très belle cette ligne en plus à l'attaque. Regarde, regarde. Prototype. On trouve le JD.
Ah mais je le connais, mais c'est... L'image également de ces 4 chevaux qui ont été retenus. Thank you.